Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tech and Games. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2, une nouvelle customisation de la Audi RS5. Je l'ai déjà faite, mais aujourd'hui un peu particulière parce qu'on va faire en version Golden Gem. Donc la Golden Gem, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une voiture qui a été présentée lors d'un petit trailer sympathique pour la mise à jour du 24 avril. Une voiture dont on pensait qu'elle allait arriver genre en drift, en summit ou quoi. Mais il n'en est pas du tout ça. C'est tout simplement une voiture, c'était juste pour montrer les possibilités de customisation. Du coup, j'ai enfin tout ce qu'il faut pour la reproduire, donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire en vidéo. Donc on va essayer de la reproduire au mieux, parce que c'est vrai que sur le trailer on voit pas forcément très très bien les pièces qu'il met, mais je pense qu'on devrait à peu près s'en sortir. Donc pour le capot c'est celui-là, ensuite pour le pare-choc c'est celui-là, voilà. Hop, les ailes, ce sont celles-là. D'ailleurs, je vais tout vous montrer tant qu'à faire. Quand même, pour ceux qui se demandent un peu, on a quoi comme pièce, voilà. Mais je mets vraiment comme est la Golden Gem sur le trailer. Donc, elle est avant, voilà. Donc, on va mettre les jantes du trailer qui sont. Alors, où est-ce qu'il me les a foutues? Merde, je les retrouve déjà plus. Je ne les retrouve plus. Ah oui, voilà. Donc voilà pour les jantes qu'il y a. Donc malheureusement, on peut pas changer vraiment en chromé. Donc je pense que pour moi, ce qui fait le plus jaune et qui fait le plus comme dans le trailer, c'est celle-là. De toute façon, je vois pas vraiment ce qui peut faire plus gold à part ça, peut-être. Ou ça, comme ça. On va essayer de mettre comme ça. Hop. Alors, ouais, on va peut-être pas mettre au max. Hop. Plus comme ça, comme ça. Et voilà. Après, rétroviseur. Je crois que c'est les carbones, ouais. Bas de caisse. On va mettre celui-là. L'autre, c'est pas celui-là. Hein, voilà, je vous le montre quand même. Ailes arrière, elles y sont. Putain, on les avait même pas achetés, d'accord. Niveau spoiler, c'est le plus gros d'après ce que j'ai pu voir. C'est vrai que c'est assez difficile à voir, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le plus gros qu'ils ont mis. Et niveau pare-choc, d'après ce que j'ai pu voir encore une fois, même si comme je l'ai dit, c'est pas forcément évident, ce serait éventuellement, je dis bien éventuellement, celui-ci. Mais éventuellement. Après, ça pourrait être celui-là aussi, mais je suis vraiment pas sûr. Dans le doute, on va garder celui d'origine, mais voilà, il y a potentiellement une petite erreur. Alors après, hop, vanité, on va passer sur les pneus gold, voilà, qui vont très bien avec la jante et la fumée gold, qu'on verra du coup par la suite. Alors pour les jantes, je vais voir si on peut pas les diminuer un peu, en fait. Ouais, alors pas comme ça non plus, mais que ça fasse à peu près bien. Je crois que c'est les jantes là, hein, enfin en tout cas de ce que je peux voir. Après, j'ai aussi celle-ci en jantes qui ressemblent beaucoup. Mais bon, ouais, moi je vais mettre celle-là. Et ensuite, niveau peinture, on va mettre, donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de jaune chromé ici, donc on va mettre un truc qui fait à peu près gold. Donc je pense comme ça. Ça me paraît ce qui fait le plus gold. Donc on va prendre ça. Hop. Comme ça. Et puis voilà. Alors après, niveau étrier, c'est vrai qu'on les a pas mis. Donc on va les mettre en jaune aussi. Alors, couleur jante, ouais, on garde. On va juste regrossir un peu en fait. Hop. Et étrier, on va les mettre en orange comme ça. Et voilà, là on a à peu près notre Golden Gem au mieux possible. Comme je vous l'ai dit, il y a possiblement une marge d'erreur, mais en tout cas elle est pas trop mal comme ça. Ça fait un style un peu kéké quand même. Du coup, on va aller se la tester, la montrer dehors, faire un peu de fumée avec. Donc vous voyez, les jantes ne brillent pas forcément énormément,
Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'on peut pas faire de chromé sur les jantes, c'est un peu dommage. Une chose à ajouter encore sur le jeu. Je vais quand même vous montrer la fumée, comment ça fait. Voilà, c'est sympa. On a vraiment la Golden Gem là. Hormis 2-3 petites choses peut-être, mais en tout cas, vraiment, c'est comme ça la Golden Gem. Comme je le dis, finalement, c'est pas des voitures qui sont ajoutables au Summit, enfin qu'on aura au Summit un jour, même si c'est ce que je pensais et pas mal de gens aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse la Blue Storm. Alors j'avais déjà fait une Pink Storm, le gars qui a du mal, quelques mois, mais c'était pas mal. Donc là, si vous voulez que je fasse la Blue Storm, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, donc on va aller faire une petite course, quand même. Puis c'est dommage qu'on puisse pas la mettre en drift, la voiture, parce que bah, du coup, on aurait pu bien profiter de ça. Alors, Street Race, on va se faire du Street. Hop. Ça va être un peu comme un custom test normal, à part qu'on se la fait en mode Golden Gem. C'est sympa. Charge un peu plus vite. Par contre, le jeu, tu peux le faire, le jeu. Allez, bouge-toi un petit peu. Merci. Voilà. Nickel. Donc, je vous profite de cette vidéo. Alors, sûrement que cette vidéo sera déjà sortie quand ça sortira. Mais le 0400 sur The Crew 2 va bientôt arriver. Vous avez été plutôt nombreux à apprécier le 0300, même si bah, le 0300 c'était plus pour la science et pour voir vos retours sur ce genre de vidéo. Vous avez bien aimé, donc maintenant je vais faire vraiment des trucs un peu plus intéressants sur ce thème, parce que c'est vrai que le 0300, c'était toutes les voitures étaient full stock, donc globalement personne n'a des voitures full stock. Et bah, de 0 à 300, ça signifie pas grand chose en hypercar. Alors que le 0 à 400, toutes les voitures seront maxées. Ce qui déjà montrera celle qui a la meilleure accélération du jeu en hypercar. Vous verrez que c'est plutôt surprenant. J'ai pas fini entièrement le montage, mais vous verrez que il y a des voitures qu'on penserait pas aussi rapides. Mais bon, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça normalement le dimanche, si je dis pas de conneries. Mais. Et ça se peut que ça arrive plus tard. Voilà. Bon, pas de surprise, hein, la RS5 s'en sort très très bien. C'est quand même vachement sympa comme ça en mode Golden Gem. Après les pneus, c'est un peu chelou quand tu roules vite. Genre ça fait vraiment un truc tout gold. Mais bon, c'est pas trop mal encore. Ça, il y a pire. C'est kéké, mais on aime ça. Dommage qu'il n'y ait pas des néons gold. Ça pourrait être un délire en plus. D'ailleurs, je crois qu'ils ont patché le. Ça n'a rien à voir avec les néons, hein, mais la fumée gold là. Parce que avant, ça ressemblait. Enfin, c'était vraiment marron et ça ressemblait à de la terre. Alors que maintenant, on a vraiment de l'or quoi, en couleur. Donc, je pense qu'ils ont dû patcher un peu. Ce qui est pas trop mal. Parce que bon, Golden Gem avec de la terre, ça le fait pas trop. Putain, par contre, on est nul à chier en conduite. Yamet, il va se moquer de moi parce que je suis moche. Enfin, parce que je suis moche. Mais qu'est-ce que je dis de la merde? Mais qu'est-ce que je dis de la merde en vrai? Parce que voilà, pour ceux qui voudraient savoir, il y a un certain Met qui m'espionne dans la partie vocale. Il est là. Peut-être qu'il est en train de sortir son attribut en entendant ma voix et à le secouer dans tous les sens. Mais après, voilà, c'est peut-être une chose qu'il fait, personnellement, moi je fais pas ce genre de choses, mais peut-être que lui il aime faire ça, on ne sait pas. N'est-ce pas, Matt? Mais voilà. Du coup, on va se faire une petite pointe au lac salé. Et il m'offre une pièce esthétique maintenant, non mais une honte. Bon, allez. Par contre, le 15 FPS, j'apprécie pas trop. Hop. Alors, le lac salé. Wow, le jeu il lag un peu par contre là. Ça y est, tu lui mets des trucs en or et tout, il galère. Il est plus à jour le jeu. Le lac salé ici. On va essayer de se faire une pointe de type qualitatif, n'est-ce pas Matisse? voilà. Non mais j'aime bien le faire chier un peu du coup, vu qu'il m'espionne. Puis qu'il peut pas parler, tu vois, il peut pas parler mais il m'espionne. Du coup, je peux dire un peu de la merde, tu vois. Je peux dire qu'il aime les gros chibres de baleine.
Eh ben, il pourra rien dire. Non, ça par contre, non, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas le Ah. suivre de baleine. Il fait une apparition, bon bah. Mais pareil sur ces zones. Ah bah, n'hésite pas à dire bonjour quand même, monsieur. Un peu de politesse Bonsoir. dans ce nom, voilà. Et ouais, Que moi quelle je dis voix bonsoir. sensuelle. Si cette voix vous dit Ouais. quelque chose, c'est normal. Vous l'avez entendu crier le bateau, je pense, dans un live il y a quelques mois. Un homme un peu fou, Non, on pas peut du le tout. dire. Pas du tout. Non, c'est Ben, pas à peine. moi. C'est moi, c'est... Ouais, c'était un sosie de la voix. Allez, du coup, la pointe. 3, 2, 1, go. Bon, pas de surprise, hein, ça accélère bien. Déjà à 200. Même sur le lac salé, ça te ralentit un peu. Est-ce que ça aurait pas été mieux avec le carbone, en fait? En fait, ça se trouve, je crois que c'était les... Parce que là, mais merde, les bad cases sont en carbone, mais je crois que c'était des chromés, en fait. Peut-être qu'on ira se voir ça après. Ouais, hop, nitro. Nitro plutôt puissante, hein. Quasiment 380. Comment elle se débrouille en frame pour... Oui, là ça fait vraiment gold. Avant ça faisait du terreau. Mais hop, c'est quand même vachement stylé. Nickel, hop. Voilà, comme ça. On fait kiffer les gens. Parce que ça coûte cher quand même de pouvoir la faire. Ça fait quand même plusieurs mois que je vais vous faire la vidéo Golden Gem, quand même plusieurs mois. Hein. Mais bon, on va dire que gagner des gros crédits, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Et bah, quand tes pneus coûtent 55 000 crédits et les pneus, je crois, enfin la fumée de pneus 55 000 et les pneus, ça doit être 30 000. Et encore, ça c'est si t'as le season pass. J'imagine pas les gens qui ont pas le season pass, ils te payent ça 100 000. Mais voilà. Hop. En tout cas. Sur le béton, ça rendra un peu mieux, je pense, la golden, enfin la fumée. On va essayer de faire un petit burn là. Faire un burn, allez. Voilà, comme ça. Hop. Comme ça. On va se mettre au milieu de la route. Bon, du coup, on va quand même terminer la vidéo. J'ai juste allé voir avant avec vous si il n'y aurait pas moyen de passer les bas de caisse en chrome, parce que sur la vidéo il me semble qu'ils sont en chrome sur le trailer, parce que là les miens sont chromés, sont en carbone, le mec qui mélange vraiment tout. Il est tard, on va se dire qu'il est minuit, hein, vraiment pour à peine exagérer la chose, alors qu'il est 18 h en vrai, mais c'est comme s'il était minuit quasiment. 18 h, minuit, c'est la même chose, à peu de choses près. Voilà. Du coup, hop, customisé, on va voir s'il n'y a pas moyen. Ou alors ils sont en chrome et je le vois pas. Ce qui serait grave. Pare-choc, hop. Voilà, il nous en a donné un gratos, on est content. Bad case. Ah non, effectivement, c'est déjà en chrome. Ok, bon, bah c'est bon alors. Et ben, c'est juste que ça ne se voit pas vraiment bien. Et ben voilà, du coup, bah la vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit concept sympa, voilà, tranquille, sans prise de tête. La custom de la Golden Gem. Donc, on va faire un petit tour quand même pour bien vous la montrer. Comme ça, hop, vraiment sympa quand même. Ça fait un peu kéké, mais. Ça va encore, ça va encore. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Tu peux me dire du coup en commentaire, comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu veux aussi que je fasse la Blue Storm. Ça peut être sympa ou pas, hein, parce que il peut se passer quelques mois avant que j'obtienne tous les crocs crédits pour acheter et les pneus néon bleu et la fumée éclair bleu. Mais voilà, n'hésite pas. Au pire, je ferai la Green Storm quand il y aura la pneu éclair verte, comme ça ira. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao, ciao, allez, bye!